Oscar Kawit, Oscar Kawit qui va rentrer, la frappe d'Oscar Kawit, ah ah, la frappe d'Oscar Kawit. Ibrahima Keïta, mais le ballon est toujours pour les Corbeaux avec Marseille, la frappe de Marseille, la frappe de Marseille Gibi. C'était un match très 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 difficile. Je pense que Red Arrows a fait le match qu'il fallait. Ils nous ont bousculés, ils se sont créés des occasions. Malheureusement, ils ont manqué de réalisme parce qu'ils méritaient de marquer sur ce match-là. Ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de joueurs absents sur le terrain. Ils n'ont pas fait le match qu'on attendait d'eux. Et c'est peut-être ça qui a donné la possibilité à l'adversaire de nous bousculer comme ils l'ont fait, notamment en première mi-temps surtout. Et je pense que on a eu beaucoup de chance à marquer les premiers. Ça reste, c'est un bon résultat, mais il y a un deuxième match à jouer. Vous savez, il peut se passer beaucoup de choses, mais on est satisfait en tout cas du résultat et on va préparer la deuxième manche sereinement et en
est bien. Et parce que cette équipe-là est capable de marquer des buts, cette équipe-là joue au foot. Et donc, on n'est pas à l'abri des surprises. C'est ça la difficulté. Parce que c'est le premier match officiel qu'on fait aujourd'hui pour un match de Ligue des Champions. On s'attendait à certains cafouillages. Parce que rien ne remplace la compétition. Mais maintenant, on est en plein dedans. On va essayer déjà de faire un bon match chez nous devant notre public. Et puis, au fur et à mesure, je pense que les garçons vont monter d'un cran pour retrouver leur meilleur niveau.